Une explosion de joie et une foule en liesse dans cette fan zone de la capitale sénégalaise. Ils l'ont fait. Les Lions de la Teranga viennent de remporter ce dimanche 6 février 2022 et pour la première fois de leur histoire, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. La délivrance de tout un peuple après une séance de tirs au but insoutenable face à l'équipe des pharaons d'Égypte. On est trop content de cette victoire. On est venu de France, on a dit. C'est obligé qu'on gagne cette fois-là. Si on est au Sénégal, on va gagner. Les Lions de la Teranga, vous êtes trop fort. Voilà, on vous aime. Vous êtes les meilleurs. À Dakar, la victoire des Lions a déclenché une hystérie collective. Des klaxons de voitures et de motos, des chants et des cris de milliers de supporters dans la capitale pour manifester leur joie. La fête est prévue pour durer encore de nombreux jours. Déjà, le président de la République, Macky Sall, a décrété ce lundi 7 février, férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire sénégalais.